Une soirée comme aujourd'hui, c'est beaucoup d'organisation pour vous ? Disons que pour nous, c'est une préparation de quand même 6 mois où on commence à travailler. Et puis les 3 derniers mois, c'est vraiment intensif. Alors bonsoir Ashley, comment tu te sens avant ton combat? Quel est ton état d'esprit? Bah écoutez, jusqu'à maintenant je me sens bien, je ne me mets pas la pression, je reste relax, je suis en train de rentrer dans ma préparation, rentrer dans mon combat, je commence à me concentrer, à mettre un peu de côté, mais je me sens bien, ça va aller. Est-ce que tu l'as déjà affronté auparavant, ton adversaire? Non, c'est la première fois que je la rencontre, je ne la connais absolument pas, j'ai aucun détail sur sa manière de boxer, à part son poids, sa taille, j'ai rien de plus jusque maintenant. Alors Ashley, on te retrouve juste après ton combat. Comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai enfin ma ceinture, donc je me sens bien. Le combat s'est bien passé. Je ne suis pas blessée, donc bon combat. Comment tu appréhendais le combat? Je ne me dis jamais que c'est gagné d'avance. Je préfère plutôt partir dans le sens où je vais tout donner. Après, le résultat, il n'a pas d'importance pour ne pas trop être déçue. Maintenant, celui-ci, je l'aurais perdu, je n'aurais vraiment pas eu bon. Mais comment? Je suis partie en me disant dans ma tête, t'es forte, t'es bien, t'es entraînée, t'es pas blessée, donc faut tout donner et ça a payé. On te retrouve après 2 ans de stand-by. Quel était ton état d'esprit avant ton combat? Fort stressé. Fort stressé pour déjà de un, on boxe devant du public.
Puis ça fait 2 ans que j'ai plus boxé du tout, que je peux monter sur un ring. Je viens d'être papa, une petite fille, on pense autrement et tout ça. Ça fait que fort stressé et fort énervé de vouloir faire un beau combat. Chez Haussmann, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu aimes bien ton coach? Enfin, comment tu te sens? Ouais, je me sens super bien. On peut même pas dire que c'est un coach, c'est un frère. On a passé tous les deux des moments difficiles et on s'est soutenus tous les deux assez fort. Et maintenant, on est bien dans notre tête tous les deux. Et voilà, c'est reparti maintenant avec des bonnes résolutions. Et j'espère qu'on va faire une belle saison. Et votre état d'esprit avant les combats, c'est comment? C'est comme les combattants ou encore pire? Je pense que c'est quand même un peu encore pire parce qu'on a de la responsabilité. Parce que c'est qui boxe, mais c'est moi le responsable. S'ils gagnent, c'est grâce à moi. Et s'ils perdent, on peut dire que c'est de ma faute aussi. Donc le stress, je l'ai peut-être beaucoup plus pour eux que quand moi je boxais. Donc c'est stressant. Comment s'est déroulée votre soirée et êtes-vous fier de vos combattants? Oui, aujourd'hui la soirée s'est bien passée, je suis fier de mes combattants. Bon, on trouve quand on est entraîneur, on exige tout le temps beaucoup plus et beaucoup mieux. Des fois je dis c'est mieux une belle défaite qu'une mauvaise victoire. Mais je pense qu'aujourd'hui ça va, ils ont fait des belles victoires.